Le petit bavard. Le petit poucet. Il était une fois un petit garçon nommé Pousset qui vivait dans une maison douillette au cœur d'une forêt enchantée. Chaque soir, avant de s'endormir, Pousset aimait écouter les histoires apaisantes que lui racontaient ses parents, tout en se blottissant sous une couverture douce et chaude. Un jour, Pousset et ses frères furent emmenés loin de leur maison par leurs parents qui ne pouvaient plus les nourrir. Mais Pousset, avec son esprit ingénieux, avait laissé des petits cailloux blancs pour retrouver le chemin du retour. Lorsqu'ils furent seuls dans la forêt, les étoiles commencèrent à briller doucement, illuminant les cailloux comme des petits phares de lumière. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. J'ai laissé des cailloux pour retrouver notre chemin. Pousset et ses frères suivirent les cailloux, écoutant les sons apaisants de la forêt nocturne. Le murmure des feuilles, le chant lointain des chouettes et le doux bruissement du vent. Chaque pas les rapprochait de la sécurité de leur maison. Ces étoiles sont comme des amis qui nous montrent le chemin. Finalement, ils arrivèrent à une maison en pain d'épices. Mais au lieu de s'inquiéter, Pousset sentit une chaleur réconfortante émaner de la maison. Ils furent accueillis par une gentille vieille femme qui leur dit avec un sourire. Entrez mes enfants, vous devez être fatigués, reposez-vous ici. Ils s'installèrent autour d'un feu crépitant. Savourant un repas chaud, Pousset se blottit dans un lit moelleux, sentant l'odeur sucrée de la maison et écoutant les histoires apaisantes de la vieille femme. Merci, grand-mère, c'est comme un rêve ici. Au matin, reposés et rassurés, Pousset et ses frères continuèrent leur chemin en suivant les cailloux lumineux. Ils retrouvèrent finalement leur maison et leurs parents qui étaient heureux de les revoir. La famille était à nouveau réunie et Pousset comprit que peu importe où il allait, la tranquillité et la sécurité pouvaient toujours être trouvées dans les moments de calme et de réconfort. Chaque nuit, Pousset se souvenait de cette aventure et s'endormait paisiblement, sachant que même dans les moments les plus incertains, il y avait toujours une lumière douce pour guider son chemin vers la sécurité et le confort. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Je suis en sécurité ici. Et ainsi, Pousset s'endormait chaque soir, entouré de l'amour de sa famille et de la sérénité de leur maison.